Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon blog vidéo consacré, comme vous le savez peut-être, à la photographie. Alors aujourd'hui, nous sommes le premier week-end du mois de mars. J'ai pas réussi à résister à l'envie de partir à la recherche des premiers sujets de macro-photographie de l'année. Donc ici, évidemment, les insectes sont pas encore de sortie, même si j'ai vu 2-3 papillons qui se courent après. L'idée, c'est aujourd'hui de trouver les premières fleurs du printemps et puis de faire des jolies photos, si possible, en vous parlant un petit peu des techniques utilisées. Donc je vais évidemment pas me consacrer à la macro-photographie au sens, disons, scientifique du terme. Qui, comme vous le savez peut-être, concerne les photographies avec un ratio de reproduction de 1 sur 1, c'est-à-dire que 1 mm ou 1 cm de votre sujet occupe 1 cm ou 1 mm sur le capteur de votre appareil. Ici, on ne va pas se concentrer là-dessus. L'idée étant de faire des photos intéressantes de ces fleurs et plutôt du coup de la proxy photographie ou comme le disent nos amis anglophones de la close-up photographie. Donc j'ai vu qu'il y avait 2-3 fleurs déjà sur le bord du chemin en orée de forêt. C'est là qu'en général fleurissent les premières fleurs de la saison, en tout cas dans cette région. Donc on se trouve non loin du village de Bussigny, dans le canton de Vaud, au bord de la rivière de la Venoge, que les habitants du coin connaissent bien. Alors pour commencer, quelques mots sur le matériel que j'ai pris avec moi. Donc j'ai mon boîtier qui est toujours le même, le Nikon Z6II. Et puis évidemment des optiques, des objectifs qui permettent une mise au point rapprochée des sujets, des objectifs macro en l'occurrence. Donc j'ai un Laowa 100 mm f2.8 qui permet un ratio de x2 que j'utilise en général pour plutôt les insectes. C'est un objectif à mise au point manuel qui est l'ancienne mouture Nikon, donc je l'ai monté sur la bague d'adaptation. J'ai également le 105 mm f2.8 aussi de chez Nikon, c'est un micro Nikkor que vous connaissez peut-être, qui est super et qui lui permet une mise au point automatique, hein, qui a l'autofocus et la réduction des vibrations, que du coup j'aime bien l'utiliser pour les sujets disons à main levée, il est super, je l'adore. Simplement le rapport de reproduction est que de 1-1, donc vous ne pouvez pas faire aller au-delà du macro standard. Et puis évidemment un trépied. Trépied ici qui a la tête, enfin la colonne centrale qui pivote et qui permet donc de se rapprocher très près du sol, très près du sujet. Il n'est pas particulièrement léger, donc il ne faut pas envisager de marcher beaucoup, mais enfin il fait super bien l'affaire pour la macro, pour les sujets rapprochés. Et puis j'ai d'autres petits accessoires qui sont évidemment pas indispensables, mais une petite pince qui permet d'accrocher au trépied et de tenir votre sujet en position si nécessaire, s'il y a du vent, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Puis enfin un petit spray avec un petit peu d'eau dedans qui permet de sprayer un petit peu votre fleur pour lui donner quelques gouttes d'eau, c'est toujours sympa. Ça rend le sujet un petit peu original et évidemment ça lui fait pas de mal. Voilà, donc on va tout de suite aller voir si on trouve quelques fleurs sympathiques à photographier. Pour cette première composition, ce premier sujet, je trouvais cette jolie fleur assez commune dans le coin qui s'appelle Sophera, une scie à deux feuilles, scie à deux feuilles, quelque chose comme ça. Et vous avez vu, donc je suis relativement proche du sujet, vingtaine de centimètres de l'objectif, et du coup évidemment plus vous êtes près, plus la profondeur de champ est faible, du coup vous êtes obligé de fermer votre ouverture, et du coup je suis à f9 ici, son ISO, et ça me donne une vitesse de 1/13 de seconde pour une exposition correcte. Donc évidemment que le trépied est indispensable dans ces situations, avec
chance, il y a très peu de vent. Donc le sujet devrait pas bouger. Donc, j'ai fait la mise au point sur le premier pétale, premier pistil de l'image. Je trouve que ça rend toujours l'image plus lisible. Un timer de 2 secondes et vous pouvez faire votre première photo. Donc lumière naturelle ici. Comme je disais tout à l'heure, on peut essayer de lui mettre un petit peu d'eau pour voir ce que ça donne et si ça rend un petit peu le sujet intéressant. Deuxième petite technique ici, elle n'est pas très éclairée comme vous l'avez vu, donc vous pouvez lui rajouter un peu d'éclairage artificiel, même avec votre téléphone portable et la lampe qui se trouve dessus. Je change tout de suite, je sais pas si vous arrivez à voir sur l'image. Si vous voulez rendre plus compte de l'environnement de votre sujet, vous pouvez reculer un petit peu votre appareil. On voit tout de suite mieux l'environnement du sujet. Par contre, du coup, la profondeur de champ augmente très vite. Et puis, ça peut donner un fond un petit peu fouillis. Et puis, du coup, perdre un petit peu votre sujet. Donc, dans ces cas-là, ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir votre diaphragme, là je suis à f4 par exemple, et puis du coup ça permet d'isoler un petit peu le sujet de l'arrière-plan. Alors deuxième sujet ici, cette fleur blanche que vous voyez, donc je suis toujours avec mon 105 mm Nikkor macro, et puis là, j'ai une ouverture de 4-2 pour bien la séparer du fond. Je suis un petit peu sous-exposé, mais c'est volontaire, j'aimerais bien que le fond soit relativement sombre. Je suis à 1/125 de seconde, toujours avec un déclencheur de 2 secondes. Pour éviter de bouger lorsque vous pressez sur le déclencheur. Alors encore un troisième sujet floral, j'ai de la chance, tous les uns à côté des autres ou presque, même pas besoin de trop bouger. Alors de nouveau une jolie fleur cette fois, un petit peu violette, que j'ai choisi de cadrer un petit peu différemment, je ne sais pas si vous voyez ici, et puis toujours donc une ouverture assez grande, F5 en l'occurrence, mais pas trop quand même pour avoir une bonne profondeur de champ, enfin c'est relatif, mais quand même qu'on distingue les fleurs d'arrière-plan. Puis comme il commence à faire un petit peu sombre, j'ai sorti ma LED, lampe LED, c'est un petit panneau comme ça, bien pratique, portable et rechargeable. Vous pouvez choisir la température, donc là je suis parti sur une température assez chaude, et puis vous pouvez éclairer votre sujet avec en essayant différents angles. Ça peut être intéressant même depuis l'arrière du sujet, voir la transparence des fleurs. On va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à faire des essais, à tester. Là, ce simple rameau de noisetier que rien ne présageait à être pris en photo, disons, peut rendre quelque chose de sympa, à mon avis, vous voyez, à contre-jour, ça donne une composition, disons, très minimaliste, mais sympathique sur fond gris.
Et je pense que ça vaut vraiment le coup, hein, un macro, de faire des essais, de se tromper, de progresser, puis ensuite d'entraîner votre œil à voir ce genre de détails sympathiques à prendre en photo. Vous le voyez peut-être, dernier rayon de soleil, droit en face, et puis cette jolie fleur jaune qui donne une compo assez sympathique. Alors cette petite feuille qui est à côté, je l'ai moi-même placée pour ajouter un autre élément à la composition, donc n'hésitez pas à déplacer un petit peu les feuilles mortes, histoire de composer votre photo. Donc ça permet de remplir un peu les zones qui étaient un peu vides sinon. Si vous voulez faire quelques photos à main levée, c'est chouette aussi, même sans lumière artificielle, sans flash. Pensez juste à faire gaffe à votre vitesse d'obturation, qu'elle ne soit pas trop faible. Vous connaissez peut-être la théorie qui dit que la vitesse ne devrait pas être inférieure à la focale, c'est-à-dire si vous avez une focale de 100 comme ici, vous devriez être à minimum 1 centième de seconde et pas 100 secondes évidemment. Donc l'inverse de la focale, si vous avez une focale de 50, en 50e de seconde devrait vous permettre de ne pas avoir de flou, de bouger quand vous déclenchez. Donc n'hésitez pas à monter les ISO. Pour l'instant, on a ici pourtant sans lumière artificielle ou presque shooté qu'à 100 ISO. N'hésitez pas à monter pour avoir une vitesse suffisante pour vos photos à main levée. Voilà, j'espère que vous aurez eu du plaisir à partager ces quelques minutes avec moi, que vous aurez appris quelques petits trucs s'agissant de la proxy photographie. Soyez certains qu'il y aura d'autres vidéos dans le futur consacrées au sujet, puisque c'est vraiment mon sujet de prédilection. J'attends juste que les beaux jours arrivent pour pouvoir vous emmener avec moi à la recherche d'insectes et autres sujets à photographier. En attendant, si ça vous dit, allez faire un petit saut sur ma page Instagram consacrée au sujet. Vous pourrez voir quelques photos que j'ai prises les années dernières. Je vous mets le lien ici-dessous. Et puis, si cette vidéo vous a plu, ben, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Commentez, partagez vos remarques, vos commentaires et vos propres techniques, c'est toujours un plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous pour en voir d'autres. Je me réjouis de vous revoir à d'autres occasions. Allez, ciao!